Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi ce matin. Peut-être que vous nous écoutez à la télé ou sur vos tablettes ou téléphones intelligents. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver. On rejoint immédiatement Pierre-Luc Bordeleau. Bon jeudi matin à vous. Bon matin de Dieu. Ce matin, dans ma chronique sur les donneurs de sens, j'ai décidé de m'arrêter sur un indicateur de sens, c'est-à-dire une personne qui sait nous pointer dans la bonne direction. Et je ne peux pas croire que je n'y ai pas pensé avant. Il y en a plusieurs qui me sont suggérés de votre part, puis continuez de le faire, je trouve ça intéressant. Et quand j'ai reçu cela, j'ai fait « ben oui, c'est vrai ». J'ai lu quelques livres de lui, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous allez le connaître, par contre. Il n'est pas immensément connu, mais peut-être que ceux qui ont lu le livre, évidemment, vont s'en rappeler. Il s'agit d'un prêtre jésuite qui vient de l'Inde et qui se nomme Anthony Demello. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ses parents sont originaires, dans le fond, d'un coin de l'Inde où ça a été colonisé par des Portugais. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un petit nom un peu Demello, un peu comme ça, le portugais. Mais tout à fait, un prêtre jésuite indien. Donc, qui a étudié pour devenir prêtre et qui s'est laissé harmoniser entre la foi chrétienne, ses dogmes là, et toute sa croyance, et la spiritualité, je dirais, hindouiste et bouddhiste. Et on retrouve dans ses œuvres des choses déroutantes, mais vraiment impressionnantes. Ça nous emmène ailleurs. Ah, vraiment. D'ailleurs, il y a eu un reproche à l'époque de l'Église catholique qui avait été fait sur la congrégation du préfet de la foi qui avait dit « c'est peut-être un petit peu trop spiritualité hindouiste ou bouddhiste dans ce qu'il fait, mais en même temps, il respecte quand même le dogme, évidemment, de la croyance chrétienne. » Tout ça pour dire que c'est toujours intéressant, la richesse de culture aussi. Écoutez, c'est un homme qui est décédé à l'âge de 55 ans seulement, mais il a eu laissé quand même des conférences, des livres. Et il a vraiment laissé sa place pour parler de la spiritualité chrétienne qui nous amène ailleurs. Et j'ai décidé de faire sortir trois citations de ce qu'il nous a laissé. C'est vraiment intéressant. La première citation, c'est, écoutez ça, c'est vraiment bon, « On progresse plus sûrement dans ses propres ténèbres que dans la lumière d'autrui. » C'est intéressant ça, faire ses pas dans ses faiblesses plutôt que de regarder la lumière des autres. Ensuite, ça, je trouve vraiment excellent d'écouter ça. La spiritualité, c'est pas de savoir ce que vous voulez, mais de comprendre ce dont vous n'avez pas de besoin. C'est vrai. C'est vraiment intéressant. Et une dernière, je trouve qu'à la limite, qui nous achève, il dit une phrase très simple, très courte. Il dit « Rien ne dure. Rien. » Alors, à ceux qui souffrent, c'est intéressant d'entendre ça. Mais lorsqu'on vit un moment de joie, c'est comme « Ah, ça durera pas. » C'est important d'avoir la foi là-dedans. Mais moi, je vous le dis, prenez le temps de lire cette richesse de la spiritualité de Anthony Demello. Et je saurai sûrement vous en reparler lors d'une prochaine chronique, parce que cet homme a donné beaucoup de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
En ce mois d'octobre, mois du rosaire, je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Et comme c'est le mois du rosaire, il n'y aura pas de cadeau du mois ce mois-ci. Comme vous le savez, je vous en ai parlé quelques fois, les mois d'été ont été plus difficiles au niveau des dons. Et je me permets de vous poser une question. Est-ce que vous allez accepter de faire un don pour la Victoire de l'Amour sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, moi, je fais un don parce que je crois qu'il est important d'annoncer ta parole par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes. Alors moi, je vous dis merci de tout mon cœur d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de donner des mains à la Providence. Et comme je vous dis, le plus beau des cadeaux, c'est que depuis plus de 21 ans, vous avez des émissions 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps aussi de vous dire que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et la question que je vous pose, que j'aimerais que vous vous posiez à l'intérieur de votre cœur, est-ce que je suis prêt à faire un geste concret de donner un don pour la Victoire de l'Amour afin qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par ces moyens si modernes que, comme je vous disais tantôt, télévision et Internet. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Ce matin, nous avons un évangile un peu particulier, donc je vais le lire très lentement pour essayer de bien comprendre chaque paragraphe. L'évangile nous est donné par Saint Luc. Jésus disait au docteur de la loi, « Malheureux êtes-vous parce que vous bâtissez des tombeaux, les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. » C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns, persécuteront les autres. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, cette génération devra en rendre compte. Malheureux êtes-vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui essaient d'entrer, vous les avez empêchés. Après que Jésus fut parti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement. Ils le harcelaient de questions. Ils étaient à l'affût pour s'emparer de ses paroles. Pas évident. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cet évangile. D'abord, je prendrai le tout début. Il y a eu des prophètes. Des prophètes qui ont été maltraités, tués, etc. Et le Seigneur nous dit ici, « Vous construisez les tombeaux sur ces prophètes alors que vos pères les ont tués. » Est-ce que vous acquiescez simplement l'action de vos pères? Et on parle des prophètes un peu plus loin aussi. De tout temps, que nous soyons dans une église, un gouvernement, peu importe, quand il y a quelqu'un qui se lève avec une parole un peu plus forte que les autres, on est porté à être un peu sceptique. Pourquoi c'est différent? Pourquoi cet homme-là parle-t-il avec autant d'audace?
Pourquoi son discours est différent du discours qu'on entend habituellement? Et on est porté à se méfier. Attention, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur lui-même nous a parlé des faux prophètes. Mais il y a une différence entre un faux prophète et quelqu'un qui annonce la vérité et qui dérange. Si la vérité que nous annonçons ne dérange absolument rien, je commence à me poser des questions sur ce que j'annonce. Si un prophète ne dérange absolument rien, est-ce que c'est un vrai prophète? Regardons simplement notre pape, le bon pape François. Quand il est arrivé, il a commencé à déranger tout de suite. On se souvient de certains vœux de Noël au Vatican. Je pense qu'il a dérangé beaucoup. C'est un prophète, c'est son rôle. Il n'est pas là simplement pour nous flatter. Il est là pour nous déranger, afin que nous soyons attentifs à la parole qu'il annonce. Bien sûr, à travers l'histoire de l'Ancien Testament et l'histoire de l'Église, on a persécuté des prophètes et des gens qu'on n'a pas toujours compris. Je vais prendre juste un exemple, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, cette bonne patronne de la France, qu'on a persécutée, qu'on a traitée de sorcière et qu'on a brûlée sur le bûcher. Jusqu'à temps de comprendre que sa parole, son vécu et tout ce qu'elle voulait accomplir pour la France était vraiment de Dieu. Mais elle dérangeait, ne serait-ce que par son être. Une femme qui veut tranquillement travailler pour l'armée, ce n'est pas possible. Elle dérange. Alors pour moi, tout de suite, il y a quelque chose qui me dit, il y a quelque chose du prophète dans cette femme. Il y a beaucoup de femmes dans l'Évangile aussi qui ont dérangé. Beaucoup de femmes dans notre vie de tous les jours qui nous dérangent et qui sont des prophètes. Autour de moi, ce matin, est-ce que je pourrais dire que dans ma vie, il y a des prophètes? Est-ce qu'il y a des gens autour de moi qui sont là et qui me dérangent, qui me sablent, on dirait, pour m'apporter quelque chose de mieux? Et souvent, on est porté à mettre ces gens-là de côté. Arrête, tu vas trop loin, tu me déranges, tu m'enlèves de ma zone de confort. Et c'est ça que le Seigneur est venu faire. Nous enlever de notre zone de confort afin qu'on puisse entrer dans une réalité tout autre, puisqu'il est venu apporter un royaume qui est tout à fait différent de tout ce que les Juifs attendaient à ce moment-là. Le Seigneur, dans notre vie aujourd'hui, vient nous déranger. Vous avez remarqué que l'Évangile n'était pas facile. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir une petite lumière, quelqu'un autour de moi qui va m'apporter un plus, qui va peut-être me déranger, mais qui va peut-être m'apporter ce petit plus qui va tranquillement transformer ma vie. Il y en a tous les jours, mais il faut juste être attentif à ces petits moments de lumière qui nous sont donnés directement de la part de Dieu. Vous savez, les anges n'ont pas tous des ailes. Ils sont parfois tout près de nous et nous annoncent la présence de Dieu. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée de Confucius qui dit ceci, et ça fait longtemps, Confucius. Pour connaître les amis, il est nécessaire de passer par le succès et aussi par le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité des amis et dans le malheur, la qualité des amis. Ça, c'est tellement vrai, parce que quand ça va pas, ceux qui sont pas des vrais amis, c'est bizarre, hein? Bien, on dirait qu'ils se souviennent plus de notre numéro de téléphone, ni de notre courriel, ni de rien. Mais quand ça va bien, tout le monde est là. Alors, apprenons à apprécier nos vrais amis, et on en a toujours très, très peu dans une vie. Je vous souhaite une magnifique journée, et appelez donc un de vos amis un vrai aujourd'hui. À demain. Bye. J'ai vraiment vu avec mon âme, là, j'ai vu mon corps, j'ai vu mon père, j'ai vu mon ami, j'ai vu le prêtre, une fraction de seconde. OK? J'étais comme en hauteur, là, je voyais tout ça. Mais j'ai même pas pu réaliser que penser à quoi que ce soit. J'ai juste vu, c'est ça.